La chose, elle est simple. Elle a pas les épaules, c'est tout. De toute façon, les gens sont pas dupes, hein. Ils s'en rendent compte. Puis c'est tombé sur elle, ça aurait pu tomber sur une autre. Elle se dépatouille comme elle peut, la pauvre. Ouais. Enfin, moi, je dis ça, attention. J'aime bien. Ah ! Vous dormiez pas ? Tant mieux, on va pouvoir s'acasser un peu. Vous parlez de quoi ? Je sais plus, mais sans doute, ça va parler d'autre chose. Ouais. En fait, je me demande si je suis enceinte. Bon, on le voit. Bah, des fois, on le voit pas. Hein. Est-ce qu'on fait ce qu'il faut, non ? Il faut faire quelque chose de spécial ? Bah, avec Arthur ! Ah ! Non, il me semble. Il vous semble. Quand même, c'est pas compliqué à savoir. Bah, non. Non, mais en fait, comment on sait ? Enfin, ce que je veux dire, on est tout nu et tout, et. Comment est-ce qu'on sait que... Comment on fait ? Comment on fait quoi, les enfants ? Bah, quand même, ils en mettent pas là. Non, non, mais à mon avis, je sais à peu près, hein, mais je voudrais juste être sûre de pas confondre avec autre chose. C'est un peu délicat à expliquer. Mais en gros... Ouais, mais même en gros. Et vous êtes pas ensemble ? Non, mais nous, on fait gaffe de pas l'être. Gaffe de pas l'être ? C'est possible ? Bah nous, il faut pas qu'on soit. Après, ça fait des bâtards. Ça vous fait un héritier. Mais allez-y, dites-nous ce que vous faites, comme ça on pourra venir vous répondre. Soyez un peu technique, tant pis. Technique ? Bah, vous dites juste ce qui se passe en dessous des hanches, au-dessus des genoux. Oh, c'est sûr que c'est par là que ça se passait. Non, mais je suis désolée, mais moi, ma mère, elle m'a jamais parlé de ça. Une fois, quand j'avais 20 ans, je lui ai demandé, et elle m'a répondu, débrouillez-vous. Et vous avez connu qu'Arthur ? Bah, évidemment que j'ai connu qu'Arthur, je suis princesse, excusez-moi. J'ai pas passé mon adolescence à me vautrer dans le fond des granges. Eh ben, vous savez pas ce que vous avez loupé. Et si vous aviez passé un peu plus de temps dans le fond des granges, vous sauriez peut-être vaguement ce qui se passe en dessous des hanches et au-dessus des genoux. Et ça peut pas être disant qu'on attendrait l'héritier aussi. C'est clair. Et vous avez qu'à le faire, vous l'héritier, puisque vous êtes si fortiche. On est pas là pour ça. Si je suis là pour ça, ça serait quand même la moindre des choses qu'on m'explique comment on fait. C'est pas à vous d'expliquer ça, hein. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Expliquez-moi quand même, ça vous coûte quoi? Ah! C'est écœurant! Écœurant? Mais pourquoi écœurant? C'est comme les chiens! Bah, les chiens, non, pas écœurant! Ah non, mais moi, non, je peux pas faire ça, c'est pas possible, hein! On peut bien, nous, tout le monde peut! Non, mais vous, c'est différent! Vous avez été fait dans la nature. C'était une pécore aussi. C'est clair. Enfin, je comprends pas. Arthur, il a jamais essayé de faire ça avec moi. Jamais. 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 Oh bah, de temps en temps, il se rapproche un peu. Enfin, il a toujours les pieds froids, alors il colle ses pieds pour se chauffer. Enfin, ah ouais, super. Ouais. La descendance est assurée. Une escorte et quoi d'autre? Nous en supplie, le roi se fait demander au château pour le nouveau camp de bataille. Bah, allez-y, vous y risquez quoi? Ah, ah, bon, j'en sais rien, moi, c'est un elfe ou... Vous m'avez votre abruti, on va le chasser. C'est une basse-cour, là. Vous avez peur? J'ai peur, oui. Vous feriez quoi à ma place? Pas le bâton, pas le bâton. N'importe quoi. Allez, assistez du souffle.
Ils ont du mal avec tout. Et puis qu'est-ce que vous voulez? Vous allez pas me dire que j'ai pas l'air con là? Il me grimpe pour les aptitudes, ça fait une demi-heure, personne ne me regarde. C'est compliqué. Il y a pas 37 signes, débordement à gauche, débordement à droite, charge, retrait, merde. Non, non, en plus c'est clair, c'est quoi? Enfin, il me semble bien. Moi, je dis qu'il faudrait mettre moins de signes et un peu plus de couleurs. Ah, comme ça, au lieu de confondre des couleurs, ils vont confondre des signes. C'est pas bonne idée. Mais vous vous rendez compte? Ah non, c'est la masse. Perdre. Alors qu'on était deux fois plus que. Parce que c'est. Sagouin, ils tiennent même pas deux, trois signes de code. Pas encore perdu. Hé, chef, là, y'a une vache. Allez, attendez, allez, let's go. Allez, double la perle. Donnez-moi ça. Là. Oui, c'est à ta face. Sortez-vous les doigts du cul. Merde. Ils écoutent pas comme ça, du rôle. Mais si on peut sauver quelques hommes, moi je pense qu'on doit se leur tête. Ça va être complet. Mais il se tire quand même. Attendez, mais c'est pas le droit de faire ça, on l'a dit et redit, il décide pas de la retraite de même. Moi, prochaine affaire rangée, je reste à quel. Quoi? Il peut faire ça là. Je vais vous dire. Ils attaquent comme ils veulent, ils se défendent comme ils veulent, ils se déplacent comme ils veulent. J'en ai marre. Je suis chef de guerre moi. Je suis pas là pour agiter les drapeaux et jouer de la trompette. Merde. Peut-être falloir changer le code. Non mais. Je suis pas d'accord, c'est pas le code qui va pas là. Mais je sais pas si y'a pas, mais va falloir que ça aille. Parce que si les hommes là, eux, se font une bonne branlée toutes les deux semaines, ça n'ira pas, c'est sûr. Non, les hommes, c'est une chose de problème, c'est lui là. Un chef de guerre qui abandonne. Non, non, il est ridicule, il va rentrer chez lui, il va se mettre devant le feu, il va bouffer, il va prendre 40 livres. Sinon, on change le code, hein. Vas-y, vas-y. Yeah.
que ça fait que trois fois que vous me réveillez à la suite, je commence à avoir un peu ras la caisse. Oh là là, ça va, hein, si on peut plus s'amuser. Allez vous amuser dans les bois, ouais. J'en connais qui seraient bien contents de se retrouver avec quatre femmes dans leur lit. Bah si vous les connaissez, elles donc vous voterez dans leur plumard. Vous savez ce que m'a raconté Angara, ma suivante? L'autre jour, elle faisait le ménage au quatrième étage, elle a vu sortir un homme et une femme d'une chambre, mais elle n'a pas pu les reconnaître. Et quand elle est entrée, le lit était complètement cassé. Non mais ça c'est moi. Et où? Pas une que vous connaissez pas. Vous me promettez, vous n'y foutez pas les pieds. Jurez. De toute façon, c'est sans alcool.